Eh bien oui, en direct de Custombassi Mélantoise, départ pour Mantes. Un peu à la bourre, mais ça va, on est prêt. Ouais, Mantes-toi, parce qu'on est en retard. Bon, on y arrive, on y arrive. Vite, vite, vite. Christophe, tu te... Eh bien oui, en route pour de nouvelles aventures. Monsieur Bassibé, demandez au rayon fumeur. Monsieur Bassibé, demandez au rayon fumeur. C'est des palettes. Oui, notre taxi est là. En route vers de nouvelles aventures. Le calme a
ça y est, on y est. Vas-y, Thibaut. Il était sous le siège, en fait. En route pour de nouvelles aventures. Direct de Nicolas Bulot. Bon, en fait, c'est le grand ami de Diego, lui. Ouais, bah oui, oh là là, putain, on va pas faire. Bah, la semaine dernière, il était au garage encore. Il a refait le faisceau de sa bagnole. Tu en as aussi, toi? Eh oui. Retournez-vous là-devant. Donc, c'est le. Coucou. Ouais, nous, on est des ploucs. Nous, on est des ploucs. C'est quoi, Ouazabé ou Ouazabouk? De l'aéroport, il est. Le de quoi le? De l'aéroport, la route derrière, là, pour aller sur Tana, là, on est pas loin. Ah ouais, d'accord. On ralentit du tonnerre de Dieu. Voilà la maison à Franck. Attends, je la prends. La valise à 15 euros. Nous voici dans l'antre de Franck Gazelle, n'est-ce pas? Voici son usine. Le type, il va refaire des turbos, là. Tout refait à neuf. Ah ouais, ouais, effectivement, ça fait. Et pour faire un cadre à 45, là. Elle est pas. Elle est pas. Elle est pas, mais de beaucoup. Mais même pour faire les pieds, j'avais. Et oui, là, c'est Gazelle qui fait des établis. Ils vont réparer des turbos. On va à Diego. C'est l'échafaudage maison. J'ai un mec au magasin à Saint-Denis. Ah, pas Saint-Denis. Touché pointu, il a un CAP de mécanique. Ah, parce que c'est la plaque qui vit. Le bouchon est derrière. Mais j'avais le système de double ressort, mais il ne plaquait pas. Et puis j'en ai permis un, hein, du coup, j'ai mis ça. Voilà, ouais, un resto typique. Ça a l'air pas mal. Hein. On va manger dehors. Sympa. C'est fait comme le zoo, tout à pied. Okay, c'est chaud. Là. J'avais le chapeau c'est comme ça, les lunettes. Je revenais, j'avais beaucoup de soleil. Pas la police, c'est où ça, oui, là, c'est un milieu. Ouais, ouais. Et ici, ça doit être supportable. Oui, parce que c'est en altitude ici. Ouais, c'est vrai. Le climat doit être super sain ici, finalement. Ouais, puis t'en as, ça va tout, mais c'est. Ouais, mais nous on aime bien quand il fait chaud. Mais ça dure pas 6 mois aussi. Oui, voilà, en vacances c'est agréable. En vacances c'est agréable, mais après quand tu bosses. Au mois de juillet on a travaillé. C'est, putain, cet été il a fait chaud. Hein. Ouais, c'est 35. Le vin il est. Il avait un peu collé, c'est design. Ouais, ouais, il a fait 35. Le premier il l'a raté, il s'est dit tiens, je vais faire la série. Et oui, nous voilà au bled. Direct de. En direct de la 404 de. Sur la National 7. Sur la National 7. Quelques jeux fonctionnels, mais pas trop. Ah, ici, c'est pas Duracell, c'est Durasonic. Ça doit être l'autre, là, qui a changé de marque. Bah, alors, les piles ici, dans mon marché. Ça vaut pas un clou. On met une pile, ça fait une cassette. C'est-à-dire une phase de cassette. Mais chérie, ce mec, là, tu te rappelles les piles? Il fabriquait des piles. Putain, mais c'était de là-dedans. Mais c'est pas une possible. Phase de cassette. J'ai pas de poste. J'ai acheté un poste. Ouais. Cassette à pile, quoi. Pile et. On arrive en ville. C'est ça, c'est la route pour aller au parc. Ça. C'est quoi? Comment ça s'appelle les arbres? Il y a toute l'architecture là-haut. Ça, c'est du côté du palais d'arène. Ben, oui, c'est à côté du palais d'arène ça. Ah, voilà, on descend par là, les escaliers. Thank you.
vraiment de lac partout. Hein. On devrait hésiter ici. C'est pas un échafaudage tout en bois. Stade. Et l'aéroport serait par là-bas. On monte la charpente. Tu plantes ton corps. Ah, le retour, on peut le faire par le bon, là. Je bois un café au glacier. Là, ça existe pas, là, au froid. Ils reconstruisent, là, non? Ouais, je crois. Tu vas dans les images, parcourir tout le monde, d'accord? Donc, toi, tu parcours les temps. Images, d'accord? Après, tu sélectionnes l'image, d'accord? Et ça fait bien. Ouais, qui tamise le sable. Sinon, c'est sympa, là. Baraque, machin. Tu prends l'appareil que j'ai sur le mien, là, l'espèce de truc que tu l'enlèves, il y a une clé USB. Il y a un port USB. Wow, on pousse. Bonjour, tu vas? C'est les vacances. On s'en va bientôt. Je leur prends une corde. En route pour de nouvelles aventures. On attend le taxi. Rappuie, attends, faut que je répète un truc. Rappuie. Ah, des morales ne remontent pas. Il y a ça, on est tué à rien. Et voilà, mon jeune. Voilà la maison où on était. Et en route pour de nouvelles aventures. Bah, il n'y a que 220 000 km. Mes guides, ils sont là. Et bien en route pour de nouvelles aventures. Nous voilà bientôt partis. Tu peux pas changer de formule si à chaque fois en route pour de nouvelles aventures. En direct de Nicolas Bulot. Ça me fait rire ce truc. Ça va les filles. Mais...
je fabrique tous des briques. Du vol 702, la température extérieure est de 12 degrés, arrivée prévue selon Ludo à 17h, on passe mais on s'arrête pas, le 4x4 il passe mais il s'arrête pas, et oui le bon chauffe d'ici, on peut pas descendre, non il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, c'est un train de nuit mais tu peux pas dormir dedans. On donne des bonbons là. Prochain arrêt, mairie des Lilas. Donne des bonbons, je prends les jeunes là. Eh bien oui, en direct de Nicolas Bulot. Tang tang tang. Prochain arrêt, Saint-Lazare. Alors, ah oui, elles ont des prix, hein. Et voilà, en direct, première escale. Vaza, vaza, au pays d'Aglaé, Sidonie. Allez, là, ça a l'air bien. Des lézards, c'est des lapins. On va pas se laisser abattre, hein, on se boit une petite mousse. Oh, vaza, vaza. Voilà, là, je vous prends, venez, là, je vous prends, je fais une belle... Et oui, là. Partout, partout, il y a des petits carrés avec du riz, du truc, des machins, de l'eau. Partout, partout. Ah, ça, c'est pour faire un genou, quoi. Ouais, c'est pour tirer les mouches. Tu parles, t'en avales 5. Ah, c'est bon. C'est chaud, ça. Ah, ouais. Wasabi. Wasabi. Ah, il me regarde du coin de l'œil, lui. Ça va, Pedro? Ah, il va remonter dans la pierre et tout après.
Ça, Pedro. Putain, qu'est-ce qu'ils jouent bien, ce truc. On fait le pling. On fait le plein en bidon. Et oui, là. En direct de Nicolas Bulot. Filme le marché là-bas. Un petit marché là-bas. Je sais pas ce qu'ils vendent. Je crois que c'est. Ils vendent rien. Du manioc. Qu'est-ce que c'est du manioc ? Non, là-bas, c'est des bouts de bois, je crois bien. Donc nous voici sur l'autoroute régionale, c'est le A67 je crois. On vient de passer le péage. 200 bornes, là il y a à faire. Il n'y en a même pas pour 7 heures il paraît. Heureusement qu'on est parti un jour avant. Hein. Ah oui, oui, oui. Et nous voici à la sortie Avignon Sud. Il a vendu, on continue. Attention, déformation légère de la chaussée. Bon, il n'y a que 30 bornes comme ça, finalement, ça va aller. C'est toi qui as dit que peut-être que ou l'après-demain, on sera arrivé au Tsing, c'est ça? Bah ouais, ça serait normalement demain soir. Pour ça, il faut avancer, là, maintenant. Ils ont mis 7 heures, les deux, là, Ouais. Ils étaient moins chargés, ils ont une voiture plus haute et apparemment ils connaissent la route, les deux pépés là. Non, c'est la première fois que c'est. Ah bon? C'était des touristes? Oui, c'était du tourisme, mais il y a que des consurés, c'est direct du Tchouquet. C'est le poisson en fait, c'est la livraison des crustacés. Les huîtres roux mes gousses. T'as comme il doit galérer le mec. C'est l'assistance du Paris-Dakar. C'est un bonbon. Du Paris-Dascar. Ludo, c'est un bonbon. Oh, c'est un grand village. Ce matin, j'ai vu le coureur, il m'a parlé de toi. Qu'est-ce qu'il doit faire ici quand on... Quand tu es dans le désert, t'entends depuis trop longtemps. Oh putain, ça fait du bien. J'avais dit de pisser avant au resto. Ah ouais. Moi je me suis même fait engueuler, puis j'ai fait un gros caca qui dure longtemps.
En route pour de nouvelles aventures. Le fils de Brioni s'était servi de la voiture, il a 16 ans. Hein. S'était servi de la voiture, s'était arrêté par les flics. La voiture en fourrière. La voiture en fourrière. Et Pierre, il n'a rien dû pouvoir dire parce qu'il a certainement raconté l'histoire de taper la voiture sur Pierre. Absent du territoire, il y a quelqu'un qui a pris la voiture et qui l'utilisait. Oui, oui. Il y a un super lac là. Sorti les Adrets, lac de Saint-Gatien. Oh, il y a rien qui le regarde du coin de l'œil là.
C'est la moto qui chauffe. Benoît. Fabienne. Ah, on va bouffer du steak de zébu, je te le dis. Eh bien oui, en direct de Feu Vert Assistance, crevaison dans le désert. On vient de changer la roue, bon, c'est pas tout à fait la même taille, mais qu'en pensez-vous, docteur Paul? Ce fut une opération, on n'a pas mis 9 secondes comme pour Schumacher, mais nous avons assuré. Ça marche. Eh bien oui, ils n'ont pas de valve. Et voilà pourquoi ça fuit. En route pour la suite des nouvelles aventures. Petite crevaison, en fait c'est pas une crevaison, c'est pas de valve. Optionnel, tu vas encore trouver qu'une chambre à air. Eh bien oui, en direct de Nicolas Ludo, nous venons d'exploser un pneu dans la nuit noire et obscure. Non, 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 non. Entre là où c'est et là où c'est. Qu'est-ce que tu filmes là sans lumière? Mais j'ai night shot là normalement, on y voit tout nickel. Avec ça, tu vois bien? Ah, mais je vous vois bien là. Hein. Tu nous vois, c'est pas possible. Ouais, il y a night shot, voilà, tu l'éclaires là-bas, ça voit nickel. Et là, tu les vois bien alors? Ouais, éteins pour voir. Ben, je les vois nickel aussi. Bah ouais, il y a le feu rouge qui s'allume. Mais là, tu en route pour d'archi nouvelles aventures. Ouais. C'est pas possible, il n'y a pas de lumière. Il a une caméra. Hein, mais il y a un night shot. Et là. Bah ouais. Eh bien oui, il est 22h30, nous aussi repartis. On a pris notre secours. Et oui, là, on est à la mer. C'est le petit mangalo. Aller à Tuller en pirogue. Il y en a fait 200 bornes. Putain, je suis dans le pâté. Et oui, là. Eh bien oui, en route pour de toujours nouvelles aventures. Alors, prochaine étape, les Tsings. On part aujourd'hui, là, 4-4. Après, on revient là. Et après, 3 jours de pirogue jusqu'à Tuléar. Avec bivouac, on pêche le poisson qu'on va prendre. Foire, un pistole. La mer est tiède. En fait, c'est le canal du Mozambique. Voilà.
super bien. Les pistes, on a galéré, là, 200 bandes de pistes hier. Ouf. En route pour de toujours nouvelles aventures. On a oublié de prendre le cachet à palu, alors on va le prendre. C'est des bungalows, c'est sympa. Et voici la vie. Donc nous allons prendre cette pirogue. C'est le canal du Mozambique. En fait, ça fait 500 km de large, quand même. C'est comme ça. Il s'y fait. Viens, dis-moi, on est sur mon kayak, on échange. En fait, c'est plus un genre de pirogue comme ça, je crois. C'est des pirogues à voile. Ça a flashé ? Non, ça n'a pas flashé. Bon, ça va. Allez, c'est bon. On a la gueule qu'on a. Voilà, la gueule. Vous avez mis dans la caisse commune en euros. Lui, il a mis 160. Toi, tu mets ce que tu veux. Bah, dis-moi, je te mets. Société Générale du coin. Livre THB. Bien fraîche. C'est la souvenir d'ici, mais c'est bon. Hein. 2 euros, 3 euros. Oh, le bon poisson. 3500 arrière. Bon poisson. Par la tête. Pour de nouvelles aventures. Alors, on est parti pour les Tsing, c'est ça? Tsing. Et on les aura mérités, hein, parce qu'avec... 200 bandes de pistes tape-cul à faire. Eh bien oui, ça y est, Lantoise à la Volvic du pays. Incroyable. Tiens, ben j'en ai deux. En route pour de nouvelles aventures. On est pas tranquille, hein. Qui pas faire. Luc, prochain arrêt, c'est où alors? Bélo sur Thierry. Bélo sur Bélo. Et il paraît qu'il faut s'arrêter à la tombée de la nuit parce qu'il y a les bandits. Société Générale. C'est qui sent beau comme ça? C'est parce que j'ai mis du bronzul. Ah, c'est lui. Bah, je préfère qu'on me dise qu'on se sent bon plutôt que je pue. Ah, bah ils vont le poser. Non, roule, c'est pas ça. Non, tu sais, un distributeur, parce que le, à l'hôtel, il a dit, oh, ici, il n'y a pas de distributeur, parce que la capitale, ils ne veulent rien faire ici. En fait, ils gardent le pognon pour Tana, ils ont dit, putain. Non, mais c'est pas mal, si les Chinois vont faire la route, là, le mec, là, il va changer d'avis, le mec de l'hôtel, tu comprends? Il va dire, ah, quand même, la capitale, elle fait quelque chose pour vous. Dur était brève. Plaquette passe au travers, Discord Club, plus de frein. Donc on va trouver les plaquettes. Recommence. Épaisseur. Subtil. Donc démarrage de bande de bas, on perd une plaquette de frein. On a fait au moins 3-4 km, allez, on va dire. Allez, 3 km. Bon, le seul problème, c'est vert. Pour... Feu vert, tout est clair. L'aventure continue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut trouver un pot de liquide de frein. Si on ne trouve pas les plaquettes, et ben, on va pincer le flexible. On va purger à la Sbaballa et ça va être nickel. On aura du frein sur 3 roues. Et hop là, on a que 100 bornes à faire. Il faudrait vite les faire. On puisse se baquer avant d'arriver. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Nickel. Ah, il est pittoresque le véhicule. Hein. Il est typique. En fait, c'est le bus. Tiki tiki, comme à Tahiti. Vous l'aviez fait en croisière dans un super bateau. C'est la ligne 11. Demain matin ou le soir. Là, c'est l'arrêt de bus. Donc, on l'a récupéré, tu vois. Pionnier, tu sais, avec le gros du pied, machin.
cette fois-ci. Et après, on est allé. On était au Bellagio. Non, pas au Bellagio. À Las Vegas. Et on a passé 3 jours avec bon, casino, visite du Grand Canyon. On va les voir en direct d'un refaiseur de plaquettes. Voici l'atelier. On va voir ça. J'aime le nom. Coulage Ferrodo. On va rire. Voici l'atelier. Bonjour. Vous regardez ? Vous filmez ? Il est rose. Et c'est où qui colle ? Il est en train de les meuler là. C'est où est-ce qu'il colle ? Elle est déjà collée. Maintenant il met les rivets, c'est fini. Il a fait les 4 ? Oui. Oui. C'est déjà collé ça. Ça couvre la chanson de Vanda. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a un crédit au. Alors là, des freins neufs. Parce que oui, j'ai même fait le vendage, je suis allé dans le stade, je joue comme ça. On fait comme ça, le glissage là. Oui, oui, pour là. C'est pas mal, c'est un truc de fou. C'était voilà. Morceau de camion, de ferro d'autre camion, usé, mais celui-là est trop fin. J'ai vu. Oui, c'est ça. Ça, c'est un morceau qui s'est décollé. Oui. Et voilà, on a coupé, voilà. Comme ça, on arrive, on peut couper la plaquette là-dedans. Voilà. Putain. C'est le top, hein. Faut qu'on apprenne à travailler, hein. Ouais. Trop de feignants à Nice. Hein. Trop de ça syndiqué, je crois bien. C'est trop dur, hein. On fait de temps le feu. On fait après, le chauffe, ouais. Oui, on fait chauffer le feu. On peut, on pose ici, on presse l'air. Pressage, là, c'est ça. Et après, ils mettent les rivets. Alors, il faut voir quand c'est combien. Tiens, regarde, ces plaquettes, on les connaît. C'est déjà fini, ça. Elles sont finies, ça. C'est un peu les autres. Il y a le rivet et tout, là. Ben oui, les rivets. Le rivet, collage et rivetage. Regarde. Et bien, tu vois même pas le. Ah, mais putain. Bien incrusté, là. On l'incrusté. Ah, après, vous mettez un peu avec la colle. Oui, mais c'est pas nécessaire. On ne l'intéresse pas. Ouais, ouais. C'est comme ça. Voilà un garage. Typique. Tu te rends compte, le riftage est fait et là ça se voit pas. Et vous ne voyez pas le riftage parce qu'on a fait le bouchage. Bravo. Heureux. Ah, c'est trop, c'est hallucinant. Moi, il bosse avec rien. C'est génial. Et ça, c'est le fond de paysage. Paysage de. On fait que t'as comme ça. Tu vois ? Ah, oui. Ah oui, pour appuyer, d'accord. Trop bon. Parfait. Ils refont même des embrayages comme neuf. Ça, c'est on voit des bien morts. J'aimerais bien voir un bien refait. Mieux qu'à l'usine. Hein ? Mieux qu'à l'usine. Code d'origine. Tout d'origine. Et comme neuf. Façon maison du coin. Le top. Coller, rifter, pareil. C'est plus dur à faire, ça, non ? Ça doit être difficile. Ça risque rien, on a l'équipage feu vert assistance. Bon, on a au moins un verre de liquide. Plaquette sortie, il répare tout avec rien, c'est un truc de fou. Et là, bah, du coup, j'ai mis le portable à charger. Il y a au moins un verre de liquide. Bon, ça va aller, nickel. Ah, faut regarder le filtre à gasoil, pourquoi il fait ? Ouais, ça va. Ouais, mais déjà qu'on roule. Au prix du litre, on perd du gasoil. Eh bien oui, en direct de séquence digestion, après avoir mangé du sauciflard de zébu typique du coin. Où tu l'as mis ? Il est dans le sac à Annie ou dans le truc ? Je sais pas où. Eh bien voilà, en route pour de nouvelles aventures. Plaquette de frein neuve. Vous la voyez pas à la fin. Quoi ? Ah non, elle est partie dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du début. Ma fille, l'autre, c'est quoi ? Je peux dire des conneries dans le film ou pas ?
Sans oublier que Martine n'a pas fait caca depuis 5 jours. Si elle tire un flanc, on va tous mourir. Sans oublier qu'il y a ta chienne dans ton frein, qu'est-ce qu'on était envahi et que t'as dit qu'il y avait des marécages. C'est pas vrai, c'était les marées. Un tout petit peu foireux. Eh oui, ici, c'est normal, c'est musulman. Ouais, c'est vrai, on est... Et pour les... C'est normal, on est dans le Mozambique, donc c'est musulman. Et en plus, il y avait plein de rats, donc il y a des ratons, c'est normal. Ils sont pas d'accord avec toi ? Je cherche à comprendre. En route pour... C'est quoi le bédouin ? En route pour Belo City, voilà. On va le mettre là-dedans. Sans borne, de piste après. On n'a pas le droit de rouler avec, mais c'est du corps dedans. Et puis Thibaut, bah... Attends, maintenant, je vais prendre le temps. Et oui, là. À mon avis, on va en voir des très beaux, là. Regardez, il y en a partout. Il y en a plein en face, là-bas. Ouais. Ah, on y va, là, en plein dedans. D'accord. J'ai filmé tout le temps, là. Merde, c'est au moins du Vanessa, ou quoi? Attends. Ah non, pas là, pitié. Voilà, c'est bon. Et oui, en direct des rapides. On va laver. Tiens, ça va nettoyer le pneu. Il y a du liquide dessus. Et oui, en direct de la route des baobabs de 12. Alors en fait, c'est une carotte géante, ça tombe après quand c'est mort, il a dit Luc. C'est pas un arbre. C'est une plante. C'est comme une grosse fleur. Ouais. Y'a qu'à dire ça. Ça fait pas penser à une fleur. Puis après, quand il tombe avec le tronc, tu fais une pirogue. Non. Comment on arrête? Il y en a un fruit, il y en a qu'on arrête. Ouais. On croise des caravanes. Et après, on peut reprendre le relais. Ah, tu peux reprendre si tu veux, et si tu veux pas reprendre. Et voilà, ça bouge de trop. Prends-toi à fond, Ludo, prends-toi à fond. City, touloulou. Tu veux pas arracher le rétro, on voit rien. C'est beau, vraiment. Waza, waza, wasabi, wasabi. Allez, faut garder du film pour les pirogues, là, faut pas déconner, là. Je devrais être en train d'ouvrir des huîtres. Ah, et tout vous faire enculer, tu vois. Non, rien. Voilà, je rentrerai ruiné mais content. Checklist, il y a de la THB là, THT. Enfin, il faut en boire 200 litres pour. Le Paris-Dakar, voici Ludo. Hop, Luc qui s'en piscine. Piste magnifique.
On s'y croirait. Plus rien ne fuit, tout va bien. Belle roue de secours. Là, on l'a remis un peu. Sans encore faire ce croquet avec un pneu en bois. On tient dans le désert. Et oui, là, nous voyons bien une petite déformation stratégique. Encore un pneu réparé à la hache. Encore un pneu réparé au marteau. Quand même. Oh, ça va, c'est une roue de secours. Eh bien oui, en direct de nouvelles aventures. Ciel magnifiquement étoilé. Bon, en fait, l'hôtel ici, c'est même pas la peine. Il y a des blattes, c'est des poulets. Le groupe est en panne. Si on verra les étoiles à la télé, il y en a des millions. Je vous mets à mort pour voir. Bon, bah, on appelle la navette. On avait un village typique avant la barge, il faut attendre 6 heures du matin. C'est typique et qui pique aussi, parce qu'il y a des blattes partout. Hein, les moustiques, c'est des dindes et les blattes, c'est des poulets. Eh bien oui, donc c'est décidé, on va prendre la barge. L'hôtel était trop rustique. On va appeler la navette. C'était un peu l'ambiance, la cabane au fond du jardin. Et en plus, ça ressemblait un peu aux eaux de Thouari, un peu, on dirait. Là, il y en a la barge, là. Ah. On a une buvette, il y a de la THT. Il y a un frigo, il y a un groupe. Tu vois, attends, la navette. Le numéro, tu vois bien qu'il manque quelque chose. Il manque apparemment 0,32 devant. C'est lui qui a le malade de la VP. Ah ouais, c'est le oui. Ah ouais, demande-le. Ah bah c'est 0,32, c'est ça. Là ça va marcher. Bien, on roule vers de nouvelles aventures. Là dans la barge atomique. Faire un peu Luc n'importe où. Hein? Faire n'importe où, après je te vois nickel. De moi? Nickel. Parce que t'as du blanc. En route pour de nouvelles aventures. Au moins un 204 ans là-dedans. De vélo
plus d'essence. On est presque arrivé, on dirait pas, mais il y a un méga truc là. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir ce truc blanc? C'est un fond de cuve qui s'effectue. Après les crevaisons, la panne d'essence. T'as des rames? On y pense pas. On y était presque. Poc, poc. Bon, déjà que c'est un monocylindre. Il y en a plus fioul. Ça y est, c'est trop tard, on a tout. Eh, on est arrivé, c'est pour ça. Ah, il va s'accoster, il va chercher tout ça. Eh oui, il y en a de l'essence. Pour éviter ce truc là. C'est bien quand même un truc. Eh bien oui, là, séquence émotion. Rate la plaque. Le sac de cacahuètes. Il y a des chevaux là-dedans. Attention là. C'est qui qui perd là? J'ai pas la lampe, c'est lui qui la ralentit. T'as vu la maîtrise du ralenti? Quelle belle maîtrise du ralenti. Ah, y a un bouton. Notre bateau. Ils sont forts les types, ils sont forts. Ah, oh, c'est rien. Le Nautilus. C'est presque le Titanic sa mère. On fait comme. Une bien magnifique prestation. Un bien magnifique accostage en direct de Nicolas Bulot. D'habitude ils font sans lampe. Eh bien oui, Strombolus partout, attention, terrain miné. Et oui là, oh, le mec qui porte. Oui, ma guitare est là. Oh, des pinsouts. Des touristes. Oh, des culs blancs. Non, rien. Bah ouais. On est en mode écho. Ça va, c'est nickel. Ça va? Oui. À quelle heure il arrive le bac?
Les touristes. Bon, on attend Ludo. Lui qui est allé voir au bac. Putain, il est 8h30. Toujours rien. Voir les crocos. Ouais. Ok les mimi. Eh Fabienne. Al piroga. Stéphanie. Bonjour. On a tata Ouga. Bon alors Martine, y est avec caca? Oh, ça va mieux, hein? Bon Annie, arrête de dormir là. Annie! Ouais! Tu m'appelles. Bon Martine, on y va là. Well.
Allez, allez les filles, on embarque. Pas bien. Un petit croco là. C'est limite, limite. On regarde du coin de l'œil, mais on voit pas bien. Là, les yeux. Ah, il bouge. Ah, c'est bon. Ah. Au pélo. En fait, c'est un marché de zébus. Pour la viande. Voilà. Je vais dire aux filles qu'il n'y a que des zébus, il n'y a pas de sac à dos. Construction. Ils sont balèzes les mecs quand même. Bon, j'ai trouvé la poste. Même pas rouillé, comme neuf. On va voir où c'est qu'on a embarqué hier. On attend toujours le 4x4, c'est 10h du mat. Alors les petites signes pour ce matin, c'est niqué. Enfin, pour aujourd'hui, il y a 100 bornes de piste à faire. Tu dois un petit croco. Ça c'est la rivière qui jette dans le fleuve. Alors. Allez voir. Ouais, c'est pittoresque les 4x4 qui montent sur des bouts de ferraille pourris. Oh, tête que t'as, toi. T'as, Pedro. Ah bah, ça y est, la Ludo. Il a pas coulé. Ludo de la noche. Ah merde, j'ai pas vu la tombeuse. Ben. Le copain. Dactari. Voilà, on est en pleine piste. Putain, avec un buggy là, on prendrait tout à fond. C'est sec. De la piste, mais ça va, celle-ci elle est bonne. Donc en route pour Belopaca. Tu sais, tout vert quoi. Oui, mais que non, flux de saison, c'est au bad. Oh ben c'est trop tard là. Tard, en plus, ouais, il doit être par là. Dactari. Copaca, on arrive. J'espère que c'est pas ça le bac. Copaca. Copaca.
On va devoir traverser. Putain, je vais me foutre le cul dans l'eau, je crois bien. Comme le lac de Saint-Gatien, presque. Bonjour. Et oui, là. Creusé au ciseau à bois. Super léger. Joli. Ciseau bac. Par trois bagnoles qu'on monte. C'est assez rustique. Mais... c'est bon. Putain, on a chié. Franchement, c'est trop bon. Le premier, ce qui nous a doublé, chargé de bois de bonhomme. 4x4 à Ludo, nous on est là. Bon alors, il y a une rotule qui est pourrie, il y a un étrier qui est foiré. Ça fuit un peu, mais ça marche. En fait, c'est du monde, on a bien fait de ne pas le laisser passer l'autre. C'est quand même beau, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de frigo. Je crois bien que ça va être quelque chose d'assez phénoménal. Allons-y les gars, n'ayons pas peur. C'est une toute petite pente. Nickel. C'est à Ludo après. Il y a quand même un Johnson 40 chevaux. Putain, regarde,
vraiment la barque, elle est pratiquement... Tu as filmé, Marty? Est-ce qu'il y a des chevaux là-dedans? Attends, si tu mets une voiture dessus, il coule lui, hein. T'as 40 chevaux. Nickel. Eh oui, une nouvelle aventure. Vas-y, monte à l'eau, tu vas les avoir. Ça y est, c'est fait bouffer par un crocodile. Où est cette hache? Ah, je le vois plus. Ah. Et ils ont pas dû vouloir de lui, il est tellement imbibé. Vas-y, lève les bras. Ça va, c'est quelqu'un qui tombe à la flotte. Ouais, non, je me doutais qu'il y avait pas de... La valise est trop sèche là-haut. Oh, ils le descendent, ce camion, là. Fais gaffe, tu t'en vas vers les chutes. Allez, qu'ils descendent, qu'on en finisse. Les... C'est du fond là-bas, ils vont attendre un moment pour passer. Non, mais après, les voitures, ils les montent par trois, je crois. Oh, en tout cas, si c'est pas par trois, c'est par deux. Oh, il prend trop de temps pour descendre. Christophe. Il est à gauche. Je le vois là, ça y est. La baleine est sortie de l'eau. Oh. Bon, le cachalot alors, pas la baleine. Oh. Voilà, ça y est. Il n'arrive pas à monter. Regarde, il n'arrive pas à monter le camion, il patine. Il est chargé aussi. Putain, ce qui morf. C'est trop sensible ce son. Non, je pense pas. Alors, voici la machine infernale. Et le propriétaire, Ludo. Spécialiste de la piste. Et maintenant, on va monter là-dessus. Voilà, mission impossible 4. J'ai dit de mettre 4 cours. Et c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Bon, ben voilà,
c'est bien passé. Toi, je veux filmer la descente. Et voilà, arrivé. Nya nya nya, ça se dit le canard. Et voici notre Ludo, pourvu qu'il est mis en 4x4, sinon il reste planté. Et non, Ludo n'est pas joué. Merci, merci. Et oui, séquence émotion, c'est chouette. Hein. Là, au village d'Ibrahim, et ceci dit, Ibrahim, là-bas, c'est beau. Et un espèce d'arbre bizarre où il tombe des sortes de figues. Ça ressemble à une figue. Ce ne sont pas des figues, ce ne sont pas des figues. Là-bas, il y a des beaux rochers. C'est ça qu'on voit de loin. C'est vachement beau. Subtile érosion. Notre Ludo atomique. Martine, Luc, en direct live. Et Annie. Paca. Splendide. Splendide. J'ai pas trop bien vu les douches, mais en tout cas, c'est beau. On va décharger. Bon, allez. Allez. Je suis pas mignon. Les petits bungalows comme ça, on a pris un familial. Et on garde Ludo avec nous. En fait, il y a deux chambres et deux lits. Fume, connard. Et oui, là. Ah, si, la douche et tout. Hein. Et
Et le chambre, un salon. Ici, il y a la douche et tout. Le top. Un petit coin de paradis. Une petite terrasse dehors. Petite terrasse devant. Deux chambres bungalow, douche, chiottes et deux lits. Le top. C'est nickel. En route pour de nouvelles aventures. Photo accroche à droite et la caméra à gauche. Tu prends les deux, mais pourquoi tu prends les deux? Prends ah, moi je vais dormir là. J'ai la moustiquaire. Non. C'est beau la vie. Je regrette pas de pas être au Turin. Vous m'en voulez pas, mais. Tu crois que c'est mûr ça? Eh oui, l'entendu a secoué l'arbre. Papaye. Oh yeah, ça papaya. Oh yeah. Contre l'arbre. Ah mais je l'ai déjà pris là. Secoué un peu là, tombé. Peut-être pas très très mûr. Oui, je suis équipé. Hein. Ah le voilà. Mais on a discuté le coup avec un guide. Il faut être à 7h à Langap. Langap. Ah ok d'accord, oui là, c'est l'heure de l'apéro, toulou, pour ce qui reste, où sont-ils donc? Ils sont là, où est Martine? Il est comme ça. C'est un poulet? Sur la branche, le truc que je vois sur la branche? Non, non, par terre. Par terre où? Tu vois par terre, là? Le truc noir, là, par terre. Ah, mais je l'éclate, c'est rien. Il faut le virer. Il ne reste que 30 secondes si la cassette est juste. Il va peut-être décoller. Nous voici un authentique hélicoléoptère. Il vient de se fracasser dans ma chaussette. Sympa. Ah oui, donc on a une super possibilité de voyager pendant une dizaine d'années. C'est super cool. Ah ouais, on a profité. On a vraiment fait des voyages qu'on ne se serait jamais payé. Bien sûr. C'est clair. Est-ce qu'elles sont bonnes? On ne sait pas. Hein. Oui, là, elles sont affectueuses. Boulot de aiguilles façon maison. Ah! Le faisant un bestio. Le bon chasseur, le mauvais chasseur. Mon chasseur voit un truc. Il tire. Mais c'est un bon chasseur. Bon. Le mauvais chasseur, il voit un truc. Il tire. Mais... un bon chasseur. On sera arrivé demain, plat du jour, sanglier, si j'ai bien compris. C'est le jeune, il a 16 ans, il a un fusil, il tire. On range un peu tout, il a fait un carnage. Petit pio-pio. Bon, ça encore, ça va, c'est bon. Un gros bestiau. Eh bien, c'était très bon de mettre les ting-ting-ting. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Bonsoir. Ça va, Ludo? Ludo Tonia dit. Tiens la forme. Eh oui, en direct. De nouvelles aventures. Et voici le camp des gitans en Lantoz. Je fais ma petite lessive. On ne lave pas son linge sale en famille. Hein. Youpla boum, prospère. Eh oui, une bien belle exposition de.
l'accoutrement européen. Dans le toit, j'ai passé par là.